خاوتي خليكم بونسوار تو الموند، اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت. اسكو راكم تشوفوا فينا مليح، جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. عزو الفلاون والسلام عليكم، مرحبا بكاع خاوتنا وخواتاتنا تو سوا اون الجيري اترافيغ سات فاست اي شير الجيري كونو شريسون انورميمون، ولا تو سوا لي مومبر دو نوتر غروند دياسبورا اترافيغ لو موند اونتي دو لاميريك دو نور ان باسون بار لوروب جوسكا لازي. اي اوجوردي نو زالون بارلي بارتيكوليارمون دو لا دياسبورا الجيريان اون اوكراين، de la situation actuelle des Algériens en Ukraine. Il y a énormément de confusion. Les autorités algériennes ne mettent pas en place un dispositif clair, net et précis, avec une communication rationnelle, directe, pour rassurer tout le monde. Alors, on a des informations. Après plusieurs jours de tergiversation, de flou, les membres de la communauté algérienne, nous avons exactement 6000. Nous avons à peu près 6000 d'Algériens qui vivent en Ukraine, dont la majorité sont des étudiants algériens qui sont inscrits au sein des universités ukrainiennes, ou un des quelques Algériens qui travaillent là-bas, ou là, qui sont mariés à des Ukrainiennes, ou là, mais ça représente à peine 10% de la communauté, ou un des, en plus de ces 6000, là, de les 6000 qui sont recensés, bah, mais les harraga, il y a des harraga, ceux qui ont eu des visas pour l'Ukraine, qui sont restés là-bas, en attendant, en espérant trouver une solution pour passer de l'Ukraine jusqu'à l'Europe de l'Ouest. Mais, Belek Belharaga, on aura 6000 et quelques, maximum 7000 Algériens. Donc, c'est une petite communauté, les soufflettes. Nous avons été d'ailleurs le premier pays, maghrébin en tout cas, ou l'Africain, je n'ai pas vu un autre pays africain, mais en tout cas, le premier pays qui a déploré une victime. L'étudiant Nimet Mskin fait Kharkov, les deux villes se prononcent de cette manière, qui est mort à l'âge de 25 ans, abattu par un sniper. Donc, nous avons déjà un mort, c'est une guerre, il n'y a pas de mort sans guerre, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont en train de mourir. Un mort, c'est un mort de trop, on aurait pu peut-être le sauver, ou là, si les autorités algériennes avaient pris des dispositions sérieuses. Bon, mais ça fait depuis l'offensive, elle a commencé, la guerre. Enfin, l'offensive militaire russe contre l'Ukraine, elle a commencé le jeudi 24 février dernier. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er mars. C'est-à-dire, pratiquement, nous sommes en train d'arriver à une semaine après l'opération militaire. Depuis le 24 février jusqu'à ce mardi 1er mars, smehna koulish, que des contradictions. Nous, l'achkatna une information. J'ai pu confirmer, moi personnellement, auprès de plusieurs Algériens, notamment des étudiants algériens, qui ont réussi à traverser la frontière. L'Ukraine, comme des milliers d'Ukrainiens, ont réussi à traverser la frontière de la Pologne pour se réfugier en Pologne. Une partie, on ne connaît pas le nombre, tellement il n'y a aucune organisation, tellement c'est le bazar, tellement la diplomatie algérienne ne fait pas son travail, n'est pas capable de s'organiser, n'a pas su comment s'organiser. On ne sait même pas quel est le nombre exact des étudiants algériens ou là les membres de la communauté algérienne qui ont pu fuir l'Ukraine. Est-ce que Harbo fait 6000? Aucune information. Ce que je sais, c'est qu'il y a une centaine, en tout cas pour le moment, une centaine d'étudiants, Kadro Yukholjoum de l'Ukraine, parce que les étudiants algériens ont fait Kiev, d'autres ont fait Kharkiv, qui m'a dit mettre la Harbo. Je tiens à lui rendre hommage d'ailleurs, à présenter mes condoléances à sa famille. Abdel Moumen ou Abdel Mounim, les mettre la Harbo. Qu'il y en dans d'autres villes, qu'il y en fait Odessa, au sud du pays. L'Ukraine, c'est un pays aussi grand que la France. C'est pas aussi grand que l'Algérie, mais c'est aussi grand que la France. Mais je te fais un mot, mais. Donc, il n'y a aucune transparence, il n'y a aucune organisation qui permet de tracer les déplacements de membres de notre communauté là-bas. Donc, mais contradictoire. Tout ça, des informations contradictoires. La seule information qui est sûre, les Lehgou, la Pologne, c'est bon, les étudiants, voilà, il s'appelle Mohamed Talbi, voilà. Il est âgé de 25 ans, les mettent Allah Yarhamou, j'ai oublié son nom, Rabbi Samahni, mais Rabbi, que Dieu a une paix à son âme, ou toutes mes condoléances à sa famille, ou l'aïe confie à un homme. Bon. Les Lehgou, la Pologne, le consulat algérien de Varsovie, une ambassade d'Algérie à Varsovie, à travers les services consulaires algériens qui relèvent de l'ambassade d'Algérie à Varsovie en Pologne, il propose officiellement des billets d'avion gratuits pour revenir en Algérie. La mesure, elle a commencé apparemment depuis hier,
Et aujourd'hui, le 1er mars 2022, nous avons pu confirmer que plusieurs Algériens qui ont pu fuir l'Ukraine pour se réfugier en Pologne, l'ambassade d'Algérie en Pologne, à Varsovie, a mis des billets d'avion gratuits. Sauf qu'il n'y a eu aucune communication. Mais qu'est-ce? Aucune communication. Yani le gouvernement algérien n'a pas réagi. Le ministère des Affaires étrangères, s'il y a une éligibilité à la gratuité des billets d'avion, il fallait organiser une communication, il fallait communiquer, il fallait que appeler, parce qu'il y a 6 000 Algériens, donc ils ne sont pas nombreux. Encore une fois, l'ambassade d'Algérie à Kiev aurait pu les appeler, parce que la majorité de ces étudiants algériens qui vivent en Ukraine sont enregistrés auprès du consulat. Elles auraient pu les appeler, les contacter par Internet, par téléphone, pour leur dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a pour la Pologne, ou l'ambassade, qu'il y a des billets d'avion gratuits. Une partie de l'AMSEMNBA. Mais je te fais un mot, juste une partie. Alors, les billets d'avion gratuits, bon, certainement, les billets d'avion, c'est à partir de Budapest, quand il y a une ligne Alger-Budapest ou là Alger-Vienne, on n'a pas tous les détails. Et en tout cas, des billets d'avion gratuits ont été pris en charge, ou ont été offerts par les services consulaires de l'ambassade d'Algérie à Varsovie. Il y a des listes qui ont été établies pour recenser les Algériens qui ont fui l'Ukraine. Et s'ils arrivent à prouver qu'ils ont été, ils viennent de l'Ukraine, ils ont des cartes d'étudiants, ils ont des résidences, ils ont les passeports nécessaires, ils pourront bénéficier d'un billet gratuit. Une mesure importante qui n'a pas été, encore une fois, annoncée officiellement par le ministère des Affaires étrangères. Le dernier communiqué par le ministère des Affaires étrangères, il date du lundi 28 février, donc le Bérah, parce que nous sommes le mardi 1er mars, le Bérah c'était le 28 février, où Chikola a le communiqué, il y avait une réunion qui a été tenue entre les ambassadeurs d'Algérie, de la Roumanie et de la Pologne, et le chargé des affaires de la Hongrie en Algérie, voilà. Il y a une réunion, à Alger plutôt, à Alger, il y a une réunion, mais les ambassadeurs de la Roumanie, de la Pologne, un représentant d'ambassade d'Hongrie en Algérie, pour yani, renforcer les relations bilatérales, pour yani, établir une cellule et de crise, et pour que les pays hadou, vers lesquels vont se réfugier la majorité des étrangers, parce que la Pologne et la Roumanie, c'est des pays frontaliers à l'Ukraine, la Hongrie, c'est pas loin, donc les gens qui vont fuir l'Ukraine vont essayer de se réfugier logiquement dans ces 3 pays. L'Algérie, elle a parlé avec les autorités de ces 3 pays pour que les autorités de ces pays accueillent les réfugiés algériens, les migrants algériens ou les étudiants algériens qui fuient l'Ukraine, pour qu'ils puissent les accueillir dans des bonnes conditions et qu'ils puissent ensuite répercuter à chaque fois qu'un Algérien arrive en Ukraine, en Pologne, depuis l'Ukraine, à chaque fois qu'un Algérien fuit l'Ukraine pour aller vers la Pologne ou la Roumanie ou la Hongrie. Les autorités de ces 3 pays vont contacter les services consulaires et les ambassades d'Algérie dans les 3 pays respectifs pour y aller, comme est le communiqué du ministère des Affaires étrangères, assurer leur prise en charge, ou là, coordonner avec les autres. Je cite le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Les diplomates ont affirmé lors de cette réunion que leurs pays respectifs, c'est-à-dire la Hongrie, la Roumanie et la Pologne, étaient prêts à coordonner avec les autorités et les services diplomatiques algériens concernés pour faciliter l'opération de passage aux frontières et l'accueil des ressortissants algériens jusqu'à leur rapatriement. Hey, jusqu'à leur rapatriement. Bon, c'est une phrase comme ça. Qui va rapatrier? Le communiqué ne dit rien. Il ne dit même pas qu'il y a des billets d'avion qui sont ouverts. Qui sont offerts plutôt, qui sont. Il y a le rapatriement, il est pris en charge par l'État. Il n'y a aucune annonce. Et ça me rappelle le triste scénario de ce qui s'est passé lors de la fermeture des frontières en mars 2020 avec l'avènement de la pandémie de la Covid-19. Durant toutes les premières opérations de rapatriement, tout a été géré dans une grande opacité, sans organisation, sans aucune rationalité, sans aucune transparence. Ou اليوم لحقوني معلومات كان يقول لك باللي دي جون اون ايتي راكيتي دي ستوديون الجيريان كي لحقوا لا بولون كاين دي فونكسيونير دو لومباساد الجيري كي لو رون دي مدونا تشي با دخلوكم للبلاد يعني وين لحقنا سي دي تيمونياج جو نسي با سي جو نسي با سي سي فري اون اي ان تران دونكيتي بور كومبروند هاد لي تونون لي زابوتيسمون دو سي غراف اكوزاسيون. Apparemment, bon, on sait tous qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On connaît tous l'ampleur de la corruption au sein de l'administration algérienne. Donc, on va essayer de déterminer la véracité de ces informations. Mais déjà, c'est le flou, c'est l'opacité, mais c'est normal. Il faut dire au communiqué, préciser les conditions. Galia jma'a, qui te l'agou le Varsovie, qui te l'agou la Hongrie, qui te l'agou la Bucarest, la Roumanie, qui est l'ambassade d'Algérie,
هاي لك لو سيج تاعها، هاي لك لي كوردوني تاعها، هاي لك لي كونديسيون اي لي كريتير ديليجيبيليتي على غراتويتي دي بيلي دافيون. وين راهم هادو لي بيلي؟ هادو لي فول منين؟ يا با دو فول انتر فارسوفي الجي، يا با دو فول انتر بوكارست الجي، يا ان فول انتر بودابست الجي. دونك سارتينمون لي ستيتيون الجيريان دوفرون سو ديبلاسي جوسكا بودابست. Est-ce que les ambassades d'Algérie vont leur donner des moyens financiers pour leur permettre de les emmener jusqu'à Budapest? Mais chercher d'autres le bled. Ça c'est un circuit qui doit être organisé dans la transparence. Yajma'a. Dans la transparence. Les had l'an, mais quel wello? Le ministère des Affaires étrangères, depuis le jeudi 24 février, encore une fois, que des communiqués, ne vous inquiétez pas, nous avons pris attache, nous sommes en train de suivre la situation de près, avec nous demandons à notre communauté de rester chez elle, nous demandons aux membres de la communauté algérienne de rester vigilants, il n'y a que des annonces, t'as le ministère, marak, jama' imam, tu mets les conseils, ou un psychologue, tu fais de la consultation en ligne, ou là, non, tu es ministère, tu es censé à établir des démarches concrètes pour fournir la protection et l'assistance nécessaires à tes ressortissants qui sont en danger de mort. Donc, mais je ne comprends pas. Il met des billets d'avion gratuits, de tout un billet comme, mais je te l'ai bobé en maison détournée. Et là, je réclame, en même temps, la maman, elle doit intervenir. Et c'est la maman, elle met l'abj. الناس راهي تموت في لوكران، الناس راهي هاربه من الحرب، الناس هادو سي دي ريفوجي راهم مترميين برا في دون لي بي دو لوروب دو ليست، يفو انترفونير ميتنون بور ميتر اون بلاس اون كوميسيون دو جيستيون اي دو سوبرفيزيون دو سيز اوبيراسيون دو راباتريمون، سيل يا اون اوبيراسيون دو راباتريمون، باسكو نورمالمون كي تقول لي اون اوبيراسيون دو راباتريمون، معناتها يا دي فول سبيسيو، اذا باش تمد لهم ان بي تقول لهم تدخلوا لبودابست. هو راهو في فارسوفي اونتر فارسوفي بودا بس راهي بعيده انكور يعني بالك اللي ما عندوش دراهم سي دي ستوديون كاين اللي خلى دارو جهار بالساكادو تاعو كاين اللي سالو بورتفاي تاعو كاين الكونت بونكار تاعو تبلوكا كاين لاكارت فيزا تاعو اللي ما يشتمشي il faudrait prévoir une assistance financière pour leur permettre d'aller jusqu'à Budapest pour prendre l'avion.